Bonsoir, un timer s'est lancé. Cynthia, tu as 30 secondes. À la fin du temps imparti, tu devras déjà éliminer le premier prétendant derrière ce fond blanc, sans même lui avoir parlé. Juste en fonction de son physique. C'est horrible, je sais. Mais c'est le concept. Je m'appelle Cynthia, je sais pas si vous me connaissez, mais pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je suis créatrice de contenu et personnalité publique. Je fais de la télé et je suis sur les réseaux sociaux aussi. Moi, ce que je recherche chez un mec, c'est pas bien compliqué. Un homme, du coup, avec des valeurs, des principes qui saura rendre sa femme heureuse. Grand, brun. Quand je dis ténébreux, c'est vraiment le charisme, qu'il ait du charisme. Et puis surtout, qu'il ait de l'ambition, qu'il soit généreux, qu'il soit famille. Donc, j'espère que je vais pas me tromper, quoi. Et que je vais faire confiance à mon instinct pour la première fois. Pour pimenter la vidéo, j'ai ramené ce qu'on a appelé Mr. Love. La roulette du love qui va pimenter cette vidéo. Qui est accompagnée par Mr. Love. Avant de faire tourner la roue, oui. Cynthia, je te propose de te retourner déjà et voir les 5 mecs torse nu qui se cachent derrière ce fond blanc. Ok. Ah ouais, carrément, torse nu, toi tu commences fort. Là, écoute, ça y va tout de suite. Donc on voit le corps avant la tête. Je vois les prétendants en face de moi. C'est un peu malaisant pour eux, je pense. Les mecs, ils sont en torse nu et tout, machin. Je sais pas, c'est un peu stressant aussi. Tu dis que t'as des questions à poser. Tu dis si eux, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien, est-ce qu'ils vont savoir répondre correctement ou alors ils seront hypocrites. Déjà, physiquement, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes bien, d'autres trucs que t'aimes moins? C'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je trouve ça plutôt pas mal. On va dire qu'il y en a un qui me tape un peu plus dans l'œil que les autres. Ok, lequel? Celui qui est tout à droite, du la coup à ma mélanine, droite. La mélanine, ma théorie est toujours bonne. C'est vrai, celui tout à droite? Ouais, le quatrième. Quatrième, ok, tous les mecs qui sont un peu bronzés en fait. Ouais, c'est ça, et le 1, le premier. Le 2, t'as pas dit le 2? Non, j'ai pas dit le 2. J'ai pas envie d'être méchante, il va falloir un peu enlever sur les côtés. Excuse-moi Noah. Oui? Moi je te connais. Et t'es plus musclé que tous, pourquoi tu vas pas derrière le rideau? N'importe quoi, frère. La photo qui s'affiche maintenant. Non, si. D'ailleurs, bonjour, le jury, coucou, comment ils vont? Comment tu vas? Bonjour à chaque fois. Je propose, messieurs, dames, qu'on fasse tourner la roue. C'est parti. Ouais. QR. Ouh. On commence avec du classique. On commence avec du classique, question-réponse. Bienvenue dans Question Love. La candidate a 3 boîtes devant elle. Une hotte, une choc et une autre. À l'intérieur, des questions prêtes à mettre mal à l'aise ou faire dévoiler des petits secrets aux prétendants. Elle va ainsi piocher dans chaque boîte et poser la question. Les réponses risquent d'être explosives et pourraient bien tout changer. Surtout, ne regarde pas. Ne regarde pas le contenant de cette boîte et tire au hasard. Au hasard. Et je tire au hasard, très bien. Question autre. Pour toi, l'amitié homme-femme existe vraiment? On commence sur une moi, question. Moi, j'aime bien. Ouais, question cool. Bien les questions. Bon, on va commencer déjà par le cinquième. Pour toi, l'amitié homme-femme existe-t-elle vraiment? En fait, l'amitié fille-garçon existe à partir du moment où t'as pas d'attirance envers ta copine. Parce que imagine, t'es meilleur ami avec une fille, elle t'excite. Bah, je peux te dire que demain, elle me dit Ariel, viens, on va dans un lit, je me mets dénudé et on fait des trucs, je vais pas dire non. Donc c'est une histoire d'attirance ou pas envers ta copine. Donc ça veut dire qu'en fait ta meilleure amie ne peut pas être jolie. Donc t'as pas réagi au fait qu'il a le même prénom que la petite sirène? Non, j'ai pas entendu son prénom. Ariel. Ah, tu t'appelles Ariel? Comme la petite sirène. J'adore. C'est très marrant, mais par contre ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas en fait. Je vais te demander au numéro 4. Ben moi je pense qu'elle existe, mais je pense si la meuf d'un côté elle veut, si le mec d'un côté il veut, je pense qu'il peut avoir direct un match ou quoi. En gros tu veux dire non, mais t'essaies de trouver des raisons de dire oui quoi. Non mais ne stresse pas, t'inquiète, ça va bien se passer. Quand ils se connaissent depuis qu'on est petit, je pense que ça peut créer une vraie amitié quand on grandit, ouais. Mais en vrai, sinon je pense pas, parce que pour toujours avoir eu une attirance physique. En gros pour lui, il faut qu'il connaisse la vie depuis qu'il est tout petit. Ouais. Comme si c'était ta grande sœur genre. Donc du coup numéro 3. Moi j'y crois, je mets des barrières. Comme ça, il n'y a pas de problème derrière. Et puis, si on la connaît depuis longtemps, c'est un plus. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se tirer des balles entre eux? Le quatrième n'est pas d'accord du tout avec la réponse de 3. On est d'accord. Si toi, ta mère amie, un jour, elle vient, elle se met à poil devant toi et elle te dit, écoute, voilà, moi, je t'aime depuis un moment. Tout nu, elle lui disait tout nu. Tu réagis comment vu que toi, t'as déjà mis des limites du coup? Je dis que t'es folle en fait. Tu ressens quelque chose pour moi, tu me le dis dès le début. Ou alors, ok, on peut créer quelque chose au fil du temps. Si à partir du moment où on a posé les bases et qu'on est potes, je vois pas pourquoi on irait plus loin. Donc elle est chez toi, il est 23h, elle commence à te chauffer, vous avez regardé un petit film, mais c'est ta meilleure pote, tu vois. Et vas-y, ça fait 3 mois t'es célibataire. Non, laisse-moi finir le contexte en entier. Ça fait 3 mois t'es célibataire, t'as un peu bu, elle non, elle est consentante de jouer. C'est quoi ce guet-apens? Ouais.
C'est la même réaction de oh non, arrête, ou c'est continue et après arrête. Enfin... Et après on en parle. Ah. Non, mais. Ça bégaye, hein, ça sort du contexte là. Non, ah mais... oui, d'accord. Ok, ok, voilà pourquoi cette question est très intéressante. J'ai qu'une parole. Et moi, si c'est ma meilleure amie, je toucherai pas. Est-ce que c'est ce que tu dis le lendemain? Oui, c'est le lendemain. J'ai qu'une parole. Bon, numéro 2, du coup, pour toi. Pour moi, clairement, ça existe. Hein. La preuve, j'ai des amis ou c'est mes meilleurs amis et j'ai jamais eu de vis-à-vis sur eux. En vrai, ils sont même déjà venus en sous-vêtements devant moi et puis... Elles sont déjà venues en sous-vêtements sur moi, j'ai rien fait. Bravo. 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 Non, on a demandé des conseils vestimentaires, du coup. Et du coup, même contexte, 3h du matin, t'es bourré, elle non. Ouais, non, je pense que ça reste mon ami, basta. Prétendant numéro 1. Ça n'existe pas, l'amitié entre filles et garçons. Je pense qu'à partir du moment où il y a toujours une attirance entre un homme et une femme, et je pense pas que ça peut exister. Donc t'as aucune amitié? J'ai des amitiés, mais... S'il y a moyen. En fait, c'est pas des amitiés. S'il y a l'occasion, moi j'irai pas. C'est plus des amis, quoi. Bon, c'est honnête au moins. Mais c'est typiquement une réponse d'homme de dire non, mais si je suis attiré, pourquoi vous êtes amis? Il y a aucun. Je vois même pas le concept. Parce que ça veut dire qu'il y a une des deux qui est pas attirée. Ça veut dire que l'autre elle est pas attirée. L'autre est pas attirée, tu vois. Mais ok, pourquoi le mec est ami avec la meuf dans ce cas-là? Il espère que dans 12 ans, il y a une femme. L'espoir fait vivre. Donc ils sont pas amis, elle est même pas au courant. Ouais. C'est terrible. Mais après, moi je crois quand même en l'amitié homme-fille parce que moi-même j'ai un meilleur ami et je n'ai jamais été attiré par lui, n'a jamais été attiré par moi, donc je pense que à ce moment-là ça marche. Tu penses demain dans un traquenard sombre, ton meilleur ami, tu peux le faire céder? Oui, bah bien évidemment. Après, faut quand même rester rationnel. Non, mais non, faut rester rationnel dans le sens où c'est des hommes et qu'ils ont quand même. Un homme, c'est bête. Hein. No joke, le numéro 3. Moi je l'aime bien, mais limite c'est un menteur. C'est probable qu'il dise la vérité, qu'il soit sain, non? La tête de meilleur que non. Sérieux, je suis naïve. Moi j'essaye d'être moins naïve, donc tu sais quoi, je le suis. Moi j'y crois pas trop, mon ref. Cynthia, le compte à rebours arrive à zéro. Il te reste plus que 20 secondes pour prendre ta décision. Si tu veux, tu peux tirer une dernière question pour te départager. Ouais, je préfère 20 secondes là, tu m'as pris un short. Ah, question hot. Putain, mais moi je le connais pas. Quel est ton score Snap? Oh, si, ça me fait rire ça. Ça me fait un peu rire. Qui a Snap en 2024, genre? Mais ouais, mais attends, c'est pas tous les messages que t'as envoyés, hein. C'est que les photos et vidéos. Oui. Donc le score Snap, s'il est élevé, ça compte même pas tous les messages qu'il y a eu. Voilà, exactement. Je préfère juste préciser. Je suis naïve, mais quand même. Bon, numéro 5. Moi, 100 000, dans les 100 000 à peu près. Et tu l'as depuis quand? J'ai depuis l'âge de mes 13 ans. T'as quel âge? 22 ans. Attendez, moi, 100 000 score Snap? Ouais, mais en 11 ans. Ben moi ça me choque pas. Non mais dans leur génération il y a une méta où genre tous les jours il fallait envoyer des photos à tes potes pour que tu gardes des flammes. Tu faisais les trucs des flammes et tout? J'ai fait de mes 13 à 15 ans à peu près, ouais. Ouais, donc attends, tu comptes déjà 365 pour une seule personne. S'il a deux flammes ou trois flammes... Ça fait 30-40 photos par jour. Ça fait quand même beaucoup en fait. Bah du coup numéro 4. Moi du coup je pense c'est un peu plus de 200 000. 200 000 mais what the fuck bro. Mon compte j'ai depuis que je suis petit. Mais moi aussi, j'ai 8 000. Tu sais, j'envoie les flammes et tout et je pense que ça fait un vrai score après. Ça fait à peu près combien de temps que tu l'as? Je pense ça fait 8 ans que je l'ai en vrai. 8 ans? T'es à 25 000 snaps l'année? Je sais pas du tout. T'es à 68 snaps le jour? Non, j'ai compris, lui il doit aller sur Tinder, tu sais, il rajoute les meufs sur Snap et il envoie des nudes en fait. Lui c'est là, ça. Là il est 13h, il est 13h, tu en as déjà envoyé 15 mec. Après on les a pas vus, je trouve, il y a Nasdaq derrière le rideau. Non, je suis pas dans ça en vrai. Mais pourquoi tu te frottes les mains quand tu parles déjà? C'est un désavantage. Tu nous as fait bien rire hein, le numéro 4, hein, vraiment avec tes réponses. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Bon. Le mec snap 70 fois par jour depuis qu'il a 12 ans. Qu'est-ce que t'as à raconter à 12 piges? Du coup, numéro 3. Alors moi, j'ai un peu plus de 200 000, pas forcément beaucoup au-dessus. Simplement, c'est la première appli que j'ai eue sur mon iPhone 4 quand j'avais 13 ans, j'étais au collège. Mais t'as quel âge, toi? 24. Vous avez quel âge, numéro 1, numéro 2? Moi, j'ai 24 ans, moi. 24 et 2? Moi, j'ai 29, moi. 29. Mais moi, j'ai 29 ans. Le compte à rebours arrive à zéro. Cynthia, oui. Il va falloir que tu prennes ta première décision. Je pense que la personne que je vais éliminer, c'est le numéro 4. Non! Je suis d'accord, on dirait un gamin, il a envie de jouer en fait. Il a envie de jouer et je suis. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, Cynthia vient de dire qu'elle avait 29, il a 20, c'est peut-être un peu vraiment. Très bien. Tu vois, je comprends. Et j'hésite avec le numéro 2. Ok! Alors, je te propose un truc. On va laisser au numéro 2 et au numéro 4 chacun
30 secondes pour se défendre. Okay. Mon perso préféré de Noah, c'est quand il passe d'une voix genre normale à hey, mais je te propose un truc. Bah déjà, Cynthia, j'aimerais savoir pourquoi tu hésites avec moi et le numéro 4. T'as pas envie de savoir, je pense. Bah j'aimerais savoir quand même. J'aimerais savoir, t'aimerais quoi? T'aimerais la version mytho ou la version gentille? Enfin, la version honnête. Ouais, la version honnête, ça me suffit. Bah déjà, tu m'as dit que t'avais 29 ans. Ouais. On est d'accord. Ok. J'aime les grands. Ok. Je suis quelqu'un qui aime les gens de grande taille. Pour moi, à 29 ans, t'es censé être beaucoup plus mature, beaucoup plus homme. Et en fait, dans tes réponses, j'ai juste senti que t'étais à peu près au même âge que tout le monde. Moi, j'ai prévenu. Effectivement, je suis pas très grand. Ça, t'as pu le voir avec le rehausseur. Après, je suis quelqu'un d'assez mature, mais je suis enjoy, j'aime la vie, donc en vrai, j'aime bien rigoler. Mais je suis assez mature dans la vie de tous les jours. Du coup, numéro 4. Du coup, je voudrais savoir aussi pourquoi... Bizarrement, vous avez tous les deux un indice quand même flagrant. Ah, c'est pas la taille qui compte après, mais bon, je pense que faut apprendre à connaître la personne avant de juger le physique, tout ça. Mais j'ai une question de base, tu parles avec tes mains tout le temps. Ouais, je suis italienne, du coup, je parle toujours avec les mains. C'est... Cynthia, il est temps que tu décides. Qui est-ce que tu veux? C'est dur. Vous voulez pas m'aider, les jurys? Dites-moi quelque chose. Et vous avez un préféré, vous? Moi, le 4, il me fait marrer, les gars. C'est vrai qu'il est drôle. Moi, il me fait gonnerie. J'ai plus envie de le garder, moi, mais. Mais c'est vrai, on n'a pas son score snap hein, au numéro 2, non? Ah, non, c'est vrai, t'as raison. Moi, en vrai, je suis pas trop snap. Je dois avoir entre 60 et 70 000, je pense. Totalement, ok. Tu l'as depuis combien de temps? Depuis l'âge de 16-17 ans, je pense. Attends, il a 29. Ça fait, ouais, pareil, mais les autres, ils ont 200 000, je peux pas le croire. Frère, 200 000, c'est de la folie, 200 000 à côté. Ouais, mais bon, je vais pas me baser sur un score snap. T'imagines, le mec, il préfère sortir en boîte de nuit et trouver les meufs en face de lui. Mais 200 000, je pense, tu googles son prénom, tu vois sa beauté sur Google. J'ai rendu la part de voilà, tu trouves. Ouais, celui de 20 ans, je suis désolée. Ouais, c'est pas grave. Numéro 4, oui. Tu peux venir. Moi, ça me fait trop de peine. Incroyable. Il est grave mignon, en plus. T'imagines, moi, 29 et tout, je me dis, mais comment je vais faire 20 ans, je vais t'éduquer. Tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion? Moi, je suis maçon. D'accord. Je travaille avec mon père dans une entreprise à Marseille. Ok. Mais écoutez, je suis vraiment assez déçu d'être éliminé en premier parce que carrément, je suis de Marseille. Je suis venu à pied. Je viens d'éliminer donc la première personne. Déjà, je l'ai éliminé parce qu'il est jeune. Ouais, après, pas trop mon style non plus, mais en tout cas, très gentil. Très bien. On est au deuxième tour. Cynthia, dans quelques minutes, tu t'apprêtes à prendre ta prochaine décision. D'ici là, je propose qu'on ramène la roue, qu'on fasse tourner la roue. C'est parti. Devine qui, ça passe, c'est très bien. Trouve qui est la réponse. Trois boîtes vont se présenter devant la candidate, avec chacune un thème visant à pimenter les réponses des prétendants. Questions hautes, choc et autres. Mais attention, la candidate devra trouver à qui appartient la réponse et cela risque bien de pimenter la manche. À toi de décider si tu veux ouvrir la 1, la 2 ou la 3. On va commencer par la 3. J'aime bien. En plus, j'avais qu'une question. Question mystère. Elle est cool. Est-ce qu'on fait une tête de reveal comme ça? Par pitié, dis-nous. Ok, donc si tu as 100K là tout de suite, tu nous fais faire quoi avec? Il y a un des mecs qui a répondu, je tourne une vidéo avec Adé Laurent. Celui qui a dit ça, je te jure que je l'élimine tout de suite. Je sais qui c'est en avance. Sachant qu'il va se faire éliminer du coup instantanément. Ah ouais, instantanément. Là, même si c'est ton préféré. Même si c'est mon préféré. Le premier truc qui te vient en tête, t'as 100K, tu dis je vais payer Adé. Pour qu'il me baise? J'ai pas trop compris le... Déjà, je comprends pas. Non, à mon avis, je pense qu'il a pas lu la question et qu'il l'a pas bien comprise. Déjà, ça, c'est un hic, c'est un red flag. À partir du moment où tu sais pas comprendre une question qui est écrite, c'est pas possible. Deuxièmement, je me sors Adé Laurent. Enfin, qui pense à Adé Laurent quand on te donne 100K en liquide que t'as envie de faire une vidéo avec Adé Laurent? Il a voulu jouer la carte de l'humour, mais c'est pas passé. Numéro 2, est-ce que c'est toi qui as répondu ça, oui ou non? Non, c'est pas moi. En vrai, je pense, moi, honnêtement, je pense que c'est Ariel. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi. Il a une vibe d'Adé Laurent. Moi aussi, je me suis dit que c'était le 4. Ouais, répète après moi, dis de malade. De malade. Ouais, en vrai, tu vois. Dans ce que je le côtoie, mais j'aurais jamais dit ce genre de phrase. Numéro 4, est-ce que c'est toi? Ce n'est pas moi. Ok, pardon. C'est numéro 1? Oui, c'est moi. T'as sorti ça comme ça, toi? J'avais pas compris la question, en fait. Comment ça, t'as pas compris? T'as compris quoi, alors? J'avais genre compris que c'était 100K sur Insta, tu vois. Et donc, j'ai pensé ça, c'était genre une collab, tu vois. Mais genre, ton objectif, c'est de faire du porno? Non, pas vraiment, non. Donc toi, t'aurais fait une vidéo juste voilà sur les réseaux sociaux avec Adélo? J'aimerais bien faire un stream avec Manu Ferrara, tu vois. Alors que... C'est différent. Ouais. Pour garder un petit peu de suspense, on va quand même essayer de deviner une autre réponse. Il y en a un qui a répondu avec 100 000 euros. Oui. Je place 80 000. Le reste,
je prends le premier vol pour Miami avec mes potes et je me casse. Non, c'est réfléchi, j'aime bien le côté je place 80 000, donc ça veut dire que t'es ambitieux et que tu penses à l'après, donc c'est pas mal. Et tu penses que c'est lequel des mecs là derrière ce fond blanc qui a répondu ça? Bah pour le coup, je pense que c'est celui qui a 29 ans, donc le numéro 2. Numéro 2? Est-ce que c'est toi qui a répondu ça? Non, c'est absolument pas moi. C'est le numéro 3. C'est dur de... Je crois que c'est ton favori, toi. Ouais, de ouf. Je crois que c'est ton favori. Je crois vraiment en lui, sincèrement. Numéro 3. Numéro 3? C'est pas moi, malheureusement. C'est Ariel? Non. Ariel? C'est moi. Alors vraiment, j'aurais jamais imaginé cette réponse de ta part. Il m'a mis dans une case qui n'est pas la mienne. D'accord. J'ai une entreprise, donc j'ai un peu ce côté d'abord placé avant, okay, pour le dépenser comme un idiot. T'as une entreprise de quoi? Dans l'animation. Je fais des soirées, mariages, barbecues. Okay. Après, si je peux me permettre, Cynthia, quand même, le numéro 2, pour spoil, a répondu je donne un peu à mes parents et je pars en voyage. C'est la même réponse. C'est un peu la même réponse. C'est aussi un peu une variante de cette réponse, voilà, si je peux me permettre. Ça va. Cynthia, avant de prendre ta prochaine décision, je te propose d'ouvrir une seconde boîte. Je suis d'accord avec toi et je pense que je vais ouvrir la première du coup. C'est drôle. Ok, quand tu fais MM, okay, est-ce que tu y vas en douceur ou tu es un animal? Il a répondu, on m'appelle le jaguar. Non, là, tu vois, il aurait sauté direct, là. Mais bien sûr, déjà, quand tu prends une rêve de télé-réalité et en plus, tu te permets de dire ce genre de choses alors que t'as 20 ans. Il y en a un qui a répondu parmi les prétendants qui restent encore derrière ce fond blanc. Pas jusqu'à être un animal. Et j'aime bien être dominant, quand même. Pourquoi tu l'as dit comme ça? A répondu ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas. Qui a répondu ça parmi les mecs qui sont derrière le fond? Quoi? J'ai l'impression que tous, en fait, ils sont un peu, tu vois. Alors, t'as dit qu'ils sont tous là-dedans. Il y en a un parmi les gens derrière le fond blanc qui écrit plutôt douceur. Merci. Qui a répondu douceur et qui a répondu un peu animal? Moi, je dirais peut-être le premier, c'est Ariel. C'est ça. Enfin, tu irais pas jusqu'à être animal, non, mais... J'aime bien dominer dans le respect, bien sûr. Voilà. Donc tu trouves du premier coup, ok, c'est très bien joué, what the fuck. Qui est-ce que tu penses a répondu? Moi, je préfère qu'on soit un peu doux. La douceur. Si c'est Adèle Laurent, il faut donner. C'est ce que j'allais dire. Ouais, moi j'hésite en fait entre le 1 et le 3. Qui préfère le faire en douceur? Numéro 1, est-ce que c'est toi, oui ou non? Non. Numéro 3? Non. Oh, oh. C'est le mec qui a répondu plutôt en douceur, c'est le numéro 2. T'es doux? Ouais, je suis plus... Celui qui avait 29 ans a dit qu'il était plus dans la douceur. Celui qui était plus jeune a dit qu'il allait pas jusqu'à être un animal, mais qu'il aimait bien dominer. Donc en vrai, non, les deux, franchement, belle réponse. Il est déjà temps que tu prennes ta prochaine décision. Qui décides-tu d'éliminer? Bah en vrai de vrai, j'ai envie de partir sur ce que je disais depuis le début. Même si en vrai t'as pas compris la question et que je peux comprendre. Mais franchement, Adèle Laurent, pour moi frérot, c'est pas une rêve. Je suis désolée. Tu peux faire des vidéos avec qui tu veux, mais 100K, aller faire une vidéo avec Adèle Laurent, c'est que t'as rien compris à la vie, quoi. Moi tu me donnes 100K, je dilapide ça en 3 semaines, hein. Mmh. Entre Uber Eats. Si tu places 80 000, plus tard tu pourras aller 1000 fois en vacances. Je vais placer l'argent, je vais les retirer le lendemain. Je vais dire, en vrai 20 balles c'est quoi? Et je vais faire ça pendant 2 semaines, genre. Je suis désolée. C'est quoi ton prénom? Ryan. Ryan, écoute Ryan, je suis vraiment désolée. Très bien, tu peux venir. Est-ce qu'il est beau, tu penses? Je sais pas, j'ai envie de voir. Oh, il est mignon. Bon, ben voilà, je me suis fait éliminer, je suis assez dégoûté. Je pensais que j'avais mes chances parce qu'elle préfère les grands. Mais malheureusement, je pense que j'ai lâché le mauvais prénom au mauvais moment. Je regarde le physique quand même d'abord, mais c'est vrai qu'il faut que la mentalité aille avec, c'est un tout. Directement, quand je l'ai vu, c'est vrai que je l'ai trouvé plutôt mignon. Et je pense que c'est vraiment par rapport à ce qu'il a dit, du coup ça m'a un peu dégoûté et j'ai lâché l'affaire. Donc si tu passes par là, Adé, si tu cherches un stagiaire ou... t'es de passage en Belgique, n'hésite pas à me contacter. Je pense que lui, il voulait voir aider. Ouais. Pas moi, on est d'accord. La roue, la roue. Qu'on fasse venir la roue. La roue, Mister Lova, Lova. Oh, oh, j'adore. Ouais. Messieurs, dames, c'est le début de la manche mystère. Un prétendant mystère va faire son apparition caché derrière un mini-rideau. Après quelques questions, la candidate devra faire un choix décisif. Permettre à ce prétendant mystère d'intégrer le rideau, mais en remplaçant un autre prétendant déjà présent, qui lui repartira sans jamais être découvert. Ou alors, faire partir ce mystérieux prétendant sans jamais le revoir. Le coup de poker ultime. Que le prétendant mystère se place. Cynthia, tu peux ouvrir les yeux. À ta gauche se trouve tout nouveau prétendant qui rentre en cours de route. Je propose qu'on prenne quelques instants pour faire connaissance. Au bout d'une minute, tu devras choisir entre l'éliminer, lui, ou l'un des trois. Est-ce que la théorie de la mélanine va fonctionner encore une fois? Suspense. T'as quel âge? J'ai 29 ans. Et toi? 29. Déjà un bon point commun. Dis-moi. T'habites où? Je suis de Caen et maintenant je suis à Paris. D'accord, t'es de quelle origine? Je suis
martiniquais et algérien. Mais est-ce que t'as des projets? Est-ce que tu comptes envisager quelque chose? Bien sûr, là je gère un complexe sportif, un soccer, si je sais pas si tu connais, ouais. Qui s'appelle le football, qui se trouve à Montfermeil. Football américain, ouais. Nice. Et en gros, je loue des terrains aux clients. Bon, donc si un jour tu voudrais taper le ballon, avec grand plaisir. Ok, super. Et tu mesures combien? 1,80. Et toi? Moi, 1,62 m dans les environs. Je suis petite. Ah, c'est mignon, tout ce qui est petit est mignon, non? Oui, j'ai pensé à mon micro-pénis, oui. Le prétendant qui arrive en cours de route, franchement, sympathique. Il a l'air très avenant, il a l'air très solaire, donc c'est sympa. Et puis, j'avais pas non plus envie de l'éliminer tout de suite. En fait, je me suis dit, ça se fait pas. Il vient d'arriver, il y a même pas 2 minutes. Les autres, ils ont quand même eu leur chance. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une personnalité comme ça? Faut aller creuser. Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de le garder? Est-ce que le feeling est passé? Ou est-ce que tu décides de l'éliminer? Non, déjà, je trouve ça pas sympathique si je l'élimine. Tout de suite, il vient d'arriver. Il a oublié un détail, je crois. Lequel? Si tu le gardes, tu dois éliminer quelqu'un d'autre. Oui. Donc, qui? Très bonne question. parce que je pense que... Fais pas ce que je crois que tu vas faire. Si t'élimines celui d'1m70 parce qu'il a 10 cm de moins... Et le numéro 3, il parle pas beaucoup. J'attends que tu me poses des questions. Je peux lui poser des questions? Ok, du coup, ton prénom? Valentin. Enchanté, Valentin. Question terminée. Tu veux que je me présente vite fait? Je veux bien que tu te présentes, mais en 2 adjectifs qui te qualifient. Humble et bienveillant. Numéro 2, du coup, ton prénom? Alors moi, c'est Michael. Michael. Tu te vois où dans 3 ans? Dans 3 ans, je me vois pas vivre en France et sûrement dans un autre pays, sur une île ou... Les impôts. Qui décides-tu d'éliminer? Numéro 2. Je suis vraiment désolée. T'as l'air vraiment hyper gentil et tout, mais 29 ans. Moi, quand j'entends 29 ans, ça tilt dans ma tête. Je me dis, on a le même âge, donc quelqu'un d'hyper avancé, peut-être mature du coup, etc. La taille, je peux pas. C'est un truc, je peux pas. Numéro 2, tu peux venir. Ça se trouve, à tout moment, je le connais. Tu sais, imagine. Il a tenu bon, en tout cas. En plus, t'as les lunettes et tout. Sérieux, t'es arrivé avec les lunettes. Il a vraiment un très bon flow. Il a vraiment quelque chose. Là j'ai été éliminé en 3e, un peu déçu parce que Cynthia, elle est très charmante. J'espère peut-être avoir mes chances en dehors sur Paris. Je savais qu'un peu que ça allait être compliqué par rapport à ma taille, mais bon. Franchement, physiquement, il était pas mal du tout. C'est dommage qu'il a pas 10 cm de plus parce que je pense que lui, sa personnalité, les choses qu'il a dites, franchement, avec 10 cm de plus, je pense que ça serait passé, qu'il serait pas sorti à ce tour-là en tout cas. J'aime bien la boucle d'oreille. Merci. T'as envie de le gérer. Il a un sourire de ouf, incroyable. Franchement, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que t'as un beau visage, par merci. Contre. Une belle aussi, barbe bien remplie et tout. Merci, c'est gentil. Il a le dos tatoué. Attends, reviens. T'as le dos tatoué? Mec, incroyable. J'aime bien ces tatouages. C'est dommage, hein. Tu trouvais pas vraiment beau? Ouais, il était mignon. En fait, il était stylé en plus. Il était stylé et tout. T'as vu la teinture blonde et tout? De base, c'est pas mon truc, mais ça lui va bien, je trouvais, avec sa barbe. C'était pas reflet jaune, c'était vraiment blond, beau gosse. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller où tu veux. Cynthia, oui. On est au tour final. Qu'on fasse venir la roue. La roue énervée. Devine qui? Non, c'est touché. Le toucher, c'est marrant. Le toucher à l'aveugle. Attention, ça va devenir vraiment chaud sur le plateau. La candidate va pouvoir toucher la partie du corps d'un prétendant qu'elle va choisir. Il devra piocher quelle partie il pourra toucher. Une manche qui peut à tout moment être décisive dans ses choix. Je te laisse ouvrir la boîte sans regarder, bien sûr, ce qu'il y a à l'intérieur. Mystère, c'est très marrant. C'est très simple, c'est toi qui décides. Ouais. C'est moi qui décide. Tu peux décider sur quelle partie du corps tu veux te baser pour éliminer le prochain prétendant. Donc par exemple, je sais pas, tu peux toucher ses bras, ses abdos, ses basses, tu décides ce que tu veux. Complètement ce que tu veux. En vrai de vrai, j'ai bien envie de toucher juste là, juste pour voir si la peau est douce. Je t'en prie. On va commencer par Ariel du coup, parce que toi t'es là depuis un moment. T'as une peau douce? Une peau très douce et tu le toucheras et tu me diras, putain, tu mets de la crème. Par contre, oui, je veux bien que tu te tournes. Avec plaisir. Il a une belle couleur. Ouais, j'aime bien sa couleur de peau. Très belle couleur de peau. Allez, prends plaisir à toucher. Non, mais ça va, calme-toi par contre. Voilà. Il a perverti le truc. Ouais, de ouf, je suis gênée carrément de le toucher maintenant. T'as une peau douce, ouais. Du coup, numéro 2 à toi. Je t'en prie. J'ai aussi envie du coup de voir un peu. Avec plaisir. Toi, tu t'épiles le dos. Ouais, c'est la virilité, c'est relou. Ok, très bien. Il a des vraies omoplates. Hein. Tu fais de la natation. J'en ai fait, ouais. Bien vu. Là, je suis à la muscu. Ok. Et du coup, numéro 1. Est-ce que tu peux te retourner, s'il te plaît?
J'ai plutôt bien aimé dans le sens où ils avaient la peau douce, donc ça se voit qu'ils prennent soin d'eux, c'est cool. Puis pilosité, on n'est pas sur une pilosité de ouf non plus, donc ça va. On n'est pas sur une chemise corporelle sur le dos, donc c'est cool. Mais après, il y a vraiment une peau, ouais, une peau douce. C'est vrai que le bronzage va avec la peau. Cynthia, oui. En fonction du toucher uniquement, qui décides-tu d'éliminer? Oh non, viens, on refait un autre truc, toucher comme ça. Peu, si tu veux, poser une dernière question pour les départager. Bah du coup, vous savez que du coup, je fais de la télé, que je suis sur les réseaux. Donc du coup, vous le vivrez comment si, par exemple, au quotidien, un de vous partageait ma vie et que je suis obligée d'aller en tournage, parce que bah, y a des fois où je suis obligée d'aller en tournage, des fois j'ai des interviews, voilà. Par exemple, je peux partir à l'étranger pour travailler aussi. Donc vous le preniez comment? Est-ce que ça peut être un truc négatif? Bah du coup, numéro 1. Moi, perso, ça a la confiance. Je prends pas, y a pas de soucis, j'ai confiance. Toi, numéro 2. Moi, ça me dérange pas à partir du moment qu'il y a la confiance mutuelle. Et d'un côté, je pourrais éventuellement faire aussi des tournages parce que je participe au casting de Mister France Normandie, pardon. Il participe à Mister France? C'est-à-dire que t'es assez beau normalement. Actuellement, oui, je suis en finale. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il est assez beau normalement. T'es en finale de Mister France où? Dans ma région, pour l'instant. C'est et après, ta région? En Normandie, oui. Donc là, potentiellement, t'es bientôt peut-être le mec le plus beau de Normandie, genre. Ouais. Bah, de toute la Normandie, hein, tous. C'est moi le plus beau. Ok. Réflexe, hein. Réflexe, hein. Donc t'as pas des problèmes de confiance en toi, en soi? Non, du tout. Ok. Et toi, Ariel? Moi, la télé-réalité, c'est quelque chose que je pourrais faire. Donc ça me dérangerait pas du tout si ma partenaire fait de la télé-réalité. Moi, je suis sur les réseaux. Ma partenaire, ce serait limite bien. Ah, t'es sur les réseaux sociaux? Tu fais quoi sur les réseaux? Moi, je suis sur TikTok. Je fais des sketchs, des caméras cachées, des micro-trottoirs. Les gars, si demain, là, je vous demande de sortir votre téléphone et de faire une capture d'écran de vos DM Instagram. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez le faire, là, ou pas? Ouais. Sans problème. J'ai pas mon portable, mais si tu veux, ouais. Déjà, il y en a un qui a un écran miroir. Ah, ça. Ah, ça, c'est pas bon. L'écran des trompeurs, ça, je reconnais. Tu as sous tes yeux les DM Instagram du premier prétendant, tout à gauche. Alors, Mourad. Wesh. Alex, c'est qui? Alex? Ouais. Non, c'est juste une décoratrice. Même si tu dis la vérité, t'es le mec le plus suspect de France quand tu parles. En vrai, de vrai, je vais vous dire un truc. 9 messages dans les principaux qui sont pas lus, 3, 5... On voit que c'est plutôt un mec, allez. On va dire, il s'en fout un peu. Non, franchement, ça va, il a pas trop de meufs, il a pas trop de comptes certifiés non plus. Bah, là, franchement, ça va. 5 meufs. Il y a quand même 5 meufs sur une seule capture d'écran. Je trouve ça beaucoup, elle réagit pas trop. Non, je réagis pas, tu sais pourquoi? Parce que c'est genre des vues il y a 2 heures, vues il y a 9 heures, et je veux pas rentrer dans les conversations. Donc c'est une capture d'écran. En moins de 24 heures. Passons à Ariel. Ariel, je vais voir que des comptes certifiés. Après, ton taf, c'est d'organiser des soirées, tu m'as dit, non? Ah oui. Ah oui, donc c'est normal. Hein. Okay, c'est vrai. Ouais, lui, tu vois, par exemple, tu vois que son taf, c'est son taf. Genre, tu vois qu'il y a plein de meufs et plein de mecs. Et des trucs envoyés il y a 4 heures. Tu es dans la même principe aussi, ça n'aime pas des meufs certifiées. Cynthia, je sais que ça t'a pas beaucoup aidé, mais malheureusement le temps passe et il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines. En vrai, je vais archi pas me baser sur les DM et tout. J'ai plus envie de vous dire que je vais plus me baser sur la personnalité et le comportement de la personne et tout machin. Mais j'aimerais quand même avoir l'avis du jury. Shahrazad, sans prix, Shahrazad. Aucunement déçu de l'ancien numéro 3 qui est maintenant numéro 2. Donc moi, je reste toujours sur mon... Ouais, je reste avec plaisir, je reste sur mon choix. J'aime bien le premier, ouais. Il a une bonne vibe, il a un bon truc, je sais pas, il y a un truc cool. J'aime beaucoup l'énergie du premier, mais il a l'air de savoir ce qu'il fait, il maîtrise son karaté. C'est pas quelqu'un qui parle pour la première fois, tu vois. Et pour moi, c'est un petit red flag de... Il sait quoi dire, comment le dire, tu vois. Non, après... Voilà, tu vois, tu vois ce que je veux dire. T'as vu, il se défend direct. Non, c'est juste que j'ai 29 ans, j'ai une expérience de vie et qui fait que voilà, quoi, je... Shahrazad, tu veux dire un truc sur le 3? Ouais, c'est... Je suis désolée, je vais dire un truc red flag sur le 3. J'ai l'impression que ça joue beaucoup qu'elle fasse de la télé. Ah, tu veux dire qu'il peut l'utiliser. Il y a un truc où c'est pas forcément, tu vois. Mais je le comprends dans le sens où toi, t'es youtubeuse depuis quasiment 12 ans maintenant. Mais j'aurais esquivé ça, mais de malade. Alors, c'est vraiment red flag pour moi, tu vois. Cynthia, ouais. Est-ce que tu décides donc d'éliminer le numéro 3? Oui, je suis désolée, Ariel. Numéro 3, tu peux venir. Bah, il ressemble à ce à quoi j'ai mis le nez. Non, franchement, je suis très déçu parce qu'au début, elle avait dit que physiquement, j'étais plus son style. Elle aimait bien mes réponses. Je pensais vraiment être au moins l'avant-dernier et j'ai été très déçu de perdre maintenant à cause d'une réponse à laquelle j'ai été très honnête. Jusqu'à maintenant, ils sont tous vraiment mignons. En fait, ils ont leur vibe tous, donc c'est cool. J'aimerais bien faire la télé-réalité et en fait, elle était dégoûtée de la télé-réalité. Et du coup, c'était un bash direct. J'ai sauté
j'ai été très déçu, j'aurais pu aller loin. Bah, malheureusement, ça a été ta réponse, ton erreur. Physiquement, t'étais celui qui a préféré. Mais ça, c'est vrai. C'est plaisant. Par contre, pour le coup, femme. Oui. Merci, c'est gentil. C'est mon style de ouf. Il est charmeur, hein. Il sait ce qu'il fait. Hein. Ouais, non, Ariel, franchement, le truc qui m'a vraiment fait tilt et qui a été un red flag ambulant total, comme ça, dans ma tête, ça a vraiment fait rouge, c'est quand il a dit oui, c'est un avantage de sortir avec une fille qui fait de la télé, ou alors bah, moi, je préfère sortir avec une fille qui est sur les réseaux, etc. À partir du moment où tu me dis ça, moi, tellement je suis parano, je pense opportuniste. Donc, c'est pas possible. Messieurs, dames, on est au tour final. C'est le moment que tout le monde attend dans cette vidéo. Le moment où on s'apprête à découvrir qui est peut-être ton âme sœur, Cynthia. Le moment où on s'apprête aussi à découvrir est-ce que tu as fait le mauvais choix. Est-ce que tu as éliminé finalement le mec le plus beau parmi toutes les personnes qui étaient dans ce fond blanc. Je suis très dubitative, j'ai pas envie de me tromper. Les deux ont une personnalité rien à voir, mais les deux se complètent en fait. Trop bizarre. Un qui est beaucoup plus solaire, l'autre qui est beaucoup plus introverti. Est-ce que du coup tu vas faire ce que tu fais d'habitude et partir sur le mec introverti que tu as l'habitude d'aller généralement, ou alors est-ce que tu partirais pas sur une personnalité un peu plus cool, un peu plus saine d'esprit? Du coup là je suis mais en hésitation totale. C'est qu'on fasse venir la roue. Presque. Wow. Bien joué. Passons à l'épreuve. Du massage. Massage à l'aveugle. La tension risque de monter d'un cran dans la pièce, puisque chaque prétendant va devoir réaliser un massage à l'aveugle à la candidate. Mais pour pimenter encore plus la chose, il devra tirer au hasard la partie du corps à masser. Cynthia, oui. À l'intérieur de cette boîte, il y a des parties du corps. Ok. Tu vas devoir en tirer une, et les prétendants vont te faire un massage à la partie du corps que tu as tirée. Épaule. Oh, ok. Oh, c'est soft, c'est mignon. Ça, je suis très tendax. Cynthia, tu peux t'asseoir sur la chaise qui est juste là. Ce qui va se passer maintenant, c'est assez marrant. Nous, en tant que jury, on va voir à quoi ressemblent les deux prétendants derrière le fond. Et Sherazade m'a dit qu'un des deux ressemblait à David Lafarge, j'ai un indice. Le premier, tu peux venir. Non, bah non, c'est pas lui, David Lafarge, du coup. Oui, je suis tendue. T'es tendue à ce que je vois. Oui. En ce moment, je vois que t'as du poids. On dirait Malax n'a pas ta modèle. Il a des vrais yeux, hein. Ouais. Ne me dites pas ça, hein. J'aime bien les yeux verts, bleus. Comment il s'appelle dans Foot de rue? C'est taille, mais avec une coupe un peu bouclette. Ah, toi, t'as parlé de Foot de rue. Tu sais que moi, j'étais grave fan de Foot de rue. C'est vrai? Avec le requin et tout, l'équipe. Yannis Taille, t'auras la même personne. Merci beaucoup, numéro 1. Merci beaucoup. Ouais, on sera le requin. Ok, avant qu'on ait ton verdict, Cynthia, on va faire venir le deuxième. Ouais, il ressemble pas du tout à David. Ok, tu peux sourire, s'il te plaît? Oui, s'il vous plaît. On est d'accord. Moi, j'étais pas trop d'accord. Ouais, très pas d'accord non plus. Par contre, il est très beau. Oui, ça, oui. Ah, il est très beau. Il est très très beau. Et c'est marrant parce que les deux sont très beaux, mais différents. Ils ont vraiment, exactement, ils ont deux flots vraiment complètement différents. Ça va, la température est pas trop chaude? Franchement, ça va. On est bon. Il lui prépare un thé. Ça les manquette, donc c'est cool. Tu masses d'habitude? Non, mais on m'a toujours dit que je massais assez bien, donc. Mm-hmm. Tu valides, c'est correct. Hein. Franchement, je sais pas, je peux rien dire pour le moment, mais. Sympathique. Franchement, merci les gars, vous m'avez détendu, c'est gentil. Mais de rien. Tu sens bon, Cynthia? Il place des petits compliments comme ça dès qu'il peut. Bah franchement, le massage, excellente. J'ai aimé les deux massages, il y en a un qui était un peu plus doux que l'autre qui était un peu plus incisif. Faut savoir que je pense qu'ils ont vraiment compris que j'avais des nœuds et que j'avais mal et que j'avais besoin de me reposer, de me détendre. Mais c'était sympathique, j'ai vraiment apprécié les mains des deux. C'est le moment du verdict. Oui. Lequel des deux massages tu as préféré? Lequel t'as le moins aimé? Est-ce qu'il y a eu un feeling avec l'un d'eux? Oh, alors, un feeling, non, pas forcément. Mais par contre, il y a eu un massage un peu plus dynamique et l'autre était un peu plus doux. Oui. Donc j'ai bien aimé le massage du numéro 2. Ton poulain qui peut être la clutch. J'avais misé sur lui dès le début. Hein. Malheureusement, le compte à rebours arrive à zéro. Cynthia, il te reste plus que 30 secondes pour prendre ta décision. Tu peux, si tu veux, poser une toute dernière question pour les départager. Mais ensuite, ce sera la fin. Au numéro 1 et numéro 2, est-ce que vous avez déjà vécu avec une femme? Oui, j'ai déjà vécu avec une femme. Ok. Et toi, numéro 2? J'ai déjà vécu avec une femme, un peu plus âgée aussi. Ok. Donc elle avait 4 ans de plus et puis bah ça a duré à peu près un an et demi, on a eu des animaux, voilà. Tiens, il est temps que tu décides. Qui est-ce que tu élimines? J'aime bien le côté hyper spontané du numéro 1, que t'as l'air hyper solaire. Mais j'ai peur, en fait, comme moi aussi, ma personnalité, j'ai une grosse personnalité, je suis très solaire aussi et tout. J'ai peur que d'un moment donné, ça faille et que peut-être il n'y en ait pas un des deux qui arrive à faire la balance. T'es comment niveau caractère? T'es plutôt nerveux? Ouais, après, en fonction d'eux, ouais. Après, je suis good vibes, mais après, bien sûr, je me fais pas marcher non, sur les pieds. Non, moi, je suis pas du
du tout ce ouais. Du coup, numéro 2, j'ai bien aimé. D'ailleurs, t'as eu raison d'avoir peut-être un coup de cœur depuis le début, chose que moi, je n'ai pas eu. Parce que j'ai trouvé tes réponses hyper saines, t'es une voix douce. Je trouve que dans ta manière d'être, t'es naturelle. Du coup, je pense que je partirais plus sur numéro 2 que numéro 1. Très bien. Cynthia, tu décides donc d'éliminer le numéro 1. Oui, même si vous m'avez parlé de ses yeux et que j'ai pas envie d'éliminer un de ses yeux. Il est très beau. Oh, ils sont mignons. Franchement, les deux se valent. Numéro 1, tu as 30 secondes pour convaincre Cynthia de ne pas t'éliminer. Si tu veux une aventure, mais une aventure safe, hein, tu vois, vraiment, on n'est pas là à tirer à balles réelles, etc. Moi, je suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Je suis stressé. Je suis stressé. Là, vous m'avez mis le doute, les gars. Franchement, je sais pas quoi dire. En gros, Cynthia, si tu veux vraiment pas un enfant, tu veux un homme, bah, choisis-moi. Aucune. Rien ne va. Allô? Excusez-moi, il y a Ariel qui veut venir encore se défendre. Et j'ai cru que c'était problème de go au début, j'étais mais qu'est-ce que tu racontes? Cynthia, est-ce que sa défense t'a convaincu? Non, je pense que je vais rester vraiment sur mon choix à moi et je vais rester sur numéro 2, ouais. Numéro 1, tu peux venir. Salut. Ah, il est très très beau. Enchanté. Au fur et à mesure, c'était pas facile. Hein. Il y en avait un qui s'est fait éliminer, un deuxième. Je suis arrivé jusqu'en finale. Noah, t'es un bon et super concept et on est ensemble. Il est mignon le premier et tout, mais j'ai une question et je me dis merde, j'espère que tu t'es pas trompé sur l'autre quand même. J'espère que les deux sont mignons. T'es tout rouge. Bah, il fait chaud hein, quand même derrière. Je ok, pas. J'espère que c'est pas moi qui te fais rougir. Est-ce que tu vois ses yeux clairs d'ici ou pas? Bah écoute, ouais, il a le regard hyper perçant. Il a des yeux miel en fait. Hein. Ouais, t'as des yeux miel orangé et jaune. Ouais, c'est très beau. C'est très très beau. C'est les origines, mais en tout cas, Cynthia, si un jour tu changes d'avis. L'autre il dit non derrière. Dans le respect et la bienveillance, avec grand plaisir. C'est le moment que tout le monde attendait dans cette vidéo. C'est le reveal. Cynthia, dans quelques secondes, tu t'apprêtes à découvrir peut-être ton âme sœur, l'homme que tu as choisi dans cette vidéo. Juste, ça me fait plaisir, ça fait très longtemps que j'ai pas gagné. C'est vrai. Il est resté jusqu'à la fin. C'est bien joué. C'est très très bien joué. Tu participes juste pour ton âge, c'est pour ça que t'as pas gagné du coup. Mais oui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Salut, enchanté. Tu ressembles à un russe, genre un genre de tchétchène russe et tout, je te jure. Il y a un côté Giroud aussi, hein. Je m'attendais pas à être choisi. Au final, grande surprise. Il y avait que des beaux garçons, on va dire, à côté de moi. Donc, c'était vraiment kiff-kiff. Ça se faisait au caractère et puis au mental aussi. Cynthia, c'est une très gentille fille, très belle aussi. Elle est mieux qu'en photo ou en vidéo. Donc, quand il est sorti, comme ça, quand je l'ai vu, je l'ai découvert, j'ai grave kiffé ses yeux. Il a des yeux hyper beaux, il a des yeux bleus et tout, trop mignon. Après, c'est vrai qu'il fait plutôt plus vieux que son âge. Il a quand même 24 ans, on dirait pas qu'il en fait 24. On dirait qu'il en fait 26, 27, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je pense que j'allais lui proposer de faire un petit resto ou quoi que ce soit, histoire d'échanger un peu plus. Et on verra par la suite, du coup. Moi, je suis hyper, hyper contente parce que du coup, j'ai fait les choix de la raison pour une fois et non les choix de cœur ou de toxicité qui m'emmènent un peu partout et ailleurs. Là, c'est un grand pas pour moi, en fait. Donc, je suis bien contente d'avoir choisi ce genre de personnalité. Bah, je te fais la bise, du coup. Enchantée. Salut. Cynthia. Très jolie, en tout cas. C'est mieux qu'en vidéo, en photo. C'est vrai? Ouais. Venez, on s'en va et on les laisse. Non, mais on va... En vrai, en termes de taille, c'est matché, non? Ça va. C'est bien comme ça. Oui. T'es de quel signe astro? Gémeaux. Bah ouais, logique. Ah. Attention à ceux qui disent j'aime pas les Gémeaux. Non, c'est pas quoi. Ça, non, c'est que faux. Moi, je suis Verseau ascendant Gémeaux. Et généralement, on entend très bien avec les Gémeaux. Donc là, pour être honnête avec vous, je vais vous laisser. Parce qu'il est dehors, il m'attend. Donc je vais quand même lui laisser une petite chance, essayer d'approfondir un tout petit peu. Et puis, on verra la suite. Je vous tiendrai peut-être au courant ou pas, hein, qui sait. Mais en tout cas, j'ai grave kiffé et merci beaucoup à tous. Le jury a été juste incroyable, l'équipe aussi, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que l'Instagram de tous les participants se trouve en description. Celui de Cynthia, évidemment, tout pareil. Chéra, Mehdi, merci. C'était Noah. Bye. Bisous.